Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Dossier sécurité, directeur général AI Police Nationale, Léon Charles, fait qu'on est, la police pas au courant sous sa yore les trêves bandiota observées. Léon Charles rappelé, bandio toujours à opérer avec l'autre stratégie sous population. Il fait qu'on est, PNH là, à continuer à travailler pour contrecarrer toutes actes bandits sous population. Il y a extrait un micro, Esaïe Aurelius avec Michel Joseph. Très bien, la police n'a pas au courant de. Trêve qui fait sur question nombre. Bandier continue à opérer sur le fond de l'Europe. Nous avons fait travailler pour que nous renseignements, en collectant plus d'informations, identifier et infiltrer zone de rapprochement de l'Asie et de comprendre l'entendre la petite vitamine. De prévention et l'intégration pour réduire tout phénomène qui fait tout acte mondial en fait de prévention de l'information. Qui sont en train de reconnaître, les gens qui sont en train de reconnaître, la police travaille 24 sur 24 et la police fait toute l'information et adresse à avec les moyens et l'information de guerre. Donner des informations additionnelles ça et pour donner aussi. Porte-parole, police nationale, la inspecteur divisionnaire Marie-Michel Verrier fait bilan ensemble opération PNH menée dans le commencement mois mai. Pendant période ça, la police interpellé plusieurs mouns. Là-dedans, 7 individus qui t'aiment doit être trempé dans un assassinat policier Jude Maurice dans Delma 75 week-end passé. Il souligne tout, car Roudli était à arrestation plusieurs citoyens qui t'a impliqué dans la mort d'un ingénieur dans la zone métropolitaine. Dans un extrait, dans le micro, Esaïe Aurelius avec Michel Joseph. Dans la date 15 mai 2021, il y a une altercation qui a gagné entre un photographe et quelques clients qui étaient en dedans. Photographe ça, qui a fait photo pour plusieurs personnes qui étaient là-dedans. Il est arrivé à faire photo, il y a un groupe de clients qui était chita sur le table. Parmi les clients, il y a gagné le juge Flori Raymond. Beaucoup de gens étaient fâchés parce qu'ils étaient pris en photo. Ils ont saisi la caméra photographe là. Photographe là lui-même était allé côté policier. Il m'a fait une intervention pour lui pour être capable de récupérer la caméra. Le policier a allé aider, a parlé avec lui pour être capable de récupérer la caméra. Mais malheureusement, ça finit en queue de poisson. Et à la sortie de ballon, il y a plusieurs tirs qui étaient enregistrés et qui étaient faits des victimes. Parmi les victimes, il y a eu un policier, Jude Maurice, qui était perdu la vie. Hier, 20 mai, dans l'opération que le DCPJ menait en dernier, l'IRIV procédé avec interpellation 7 individus. Il y a 4 armes qui saisies. Parmi eux, il y a 2 Galil, 2 pistolets. Il y a 3 véhicules qui sont arrivés confisqués. Il y a une bonne quantité de cartouches qui sont arrivées joindre dans la zone ZAP. Pour qu'on y aille là, il y a nommé Fouchard Pierre Emile, alias Blanchard, que la police a cherché activement. Il y a une arrestation de Woody Etea, alias Sousson La Familia. C'est le cours de cassation qui a demandé pour retourner Woody dans la prison, pour être capable de continuer à répondre. Accusation qui était posée sur nous. Donc, tribunal qui est compétent, capable de faire suivi. Et il est arrivé procéder avec arrestation dans la République dominicaine. Et la République dominicaine peut mettre libre la police nationale d'Haïti le 16 mai 2021. Suite à un conflit terrien qui était opposé à l'entreprise Corail SA, qui est représentée par Bossan Edouard et famille Mani, une décision de justice est sortie en faveur entreprise Cora SA pendant plusieurs semaines. Des individus armés de prendre plaisir à aller sous terre ça, empêcher que représentant Cora SA prenne possession de terre ça. Le commissaire du gouvernement, le Kouadé Bouquet, demandait 8
pour lui procéder à une intervention pour capable faire mon salut, quitter l'espace et remettre terrain par Corail SA. J'ai noté annoncé dans Titio, service maritime et navigation d'Haïti honoré citoyen Josh Casimir, peut-être l'été sauvé la vie plusieurs compatriotes. Parmi eux, il y a un petit monde trois l'année, samedi 15 mai passé. Dans un moment, il y a un petit bateau qui est coulé pendant le tabac Lagunave. Directeur général Semana Eric Prévost Junior, remet une plaque honnête avec mérite by jeune garçon ça. Pendant une cérémonie qui déroulait vendredi 21 mai dans la locale institution en Torsel, responsable Semana promet pour encadrer Gensa pour action ça a été posé. En suivre un extrait. Avec Josh déjà et premièrement pour bateau et Semana gen bateau ni Carlies ni Ansagalet pour sauver la vie moni. Semana gen bateau pour aider et participer dans sauvetage dans sauver la vie moni déjà. Et que moi-même, depuis le, de la première fois, d'acheter trois bateaux. Il y a deux qui carrières et il y a un qui porte de bain. Qui pour sauver la vie moune, c'est parce que le temps pour garder Côte d'Ivoire arrivé, nous avons dit que faut nous gagnions des bateaux qui présents, qui tout prêts. Mais cependant, en dehors de bateaux, c'est Manayo, il faut que nous disions que c'est Manato gagnait des accords avec différents capitaines bateaux, maîtres bateaux, propriétaires de bateaux, dans différentes zones. Côté que gagnent trafic et transport là, maritime. Côté que bateau ça yo, yo ka vini en secours, en renfort, depuis qu'il y a un naufrage, moyennant Semana a mette gaz dans bateau ça yo, et si gon bagay qui arrive bateau ça yo tout, Semana a payé coup ça yo. Et comme on se dit, l'Institut National de Formation Maritime, il pral former des jeunes qui pral capable servir pays à institution maritime ni Semana ni APN et même agence maritime. Et mais tout, nous parlons de ça avec Josh. Josh, nous avons regardé déjà directeur et coordination qui représentation territoriale là avec différents directeurs dans Semana. Nous commençons à réfléchir pour nous comment nous capables d'intégrer Josh. Un, par les formations et permettre à ce que les capables soit la Gonave, soit dans le bureau central là. Utile et formé et capable soit dans natation, soit dans plongée sous-marine, ça ou les plongeurs, et bien pour le capable utile et aider. Nous parlons de ça déjà avec Georges et avec toute délégation la Gonave là, et bien en dehors de plaques là, en dehors de médailles là, que nous offrons à Georges et contribution et première dame, c'est Manatou, pas plaguer Georges et de voir balancer dans l'arrière parce que il y a des gens qui ont nagé et nous avons besoin de ça, soit le cas former l'autre monde, soit le cas participer dans la zone pour sauver et que peut-être nous avons ballon bateau pour les gens de Kassaou pour la sauver la vie sur la mer. Et il y a des types de formations que direction sécurité maritime, direction coordination a réfléchi ensemble pour permettre à ce que Georges capable ou cadre dans le domaine maritime, dans le secteur maritime pour aider et population et lui-même en particulier. Comité consultatif indépendant a poursuivre accéléré émission débat sur régime politique à trois pouvoirs pour vendredi 21 mai. C'est l'idée faite sur le pouvoir judiciaire, dans ce qui vient pour le système judiciaire, mettre mon agent, un membre CCIA, annoncé une innovation qui fait et puis un mandat juge qui prolongé. Dans un nouveau document, changement ça doit permettre aux pays à gagner un système libre, indépendant, côté tout le monde qui a joué accès à la justice sans distinction. Maintenant, l'agent pour plus de détails. Journée aujourd'hui, pour pouvoir judiciaire, là, nous connaissons que nous-mêmes nous faisons un travail par rapport avec toute proposition qui est faite déjà. Yo. Et tout le monde qui a une expression, qu'on a l'église, qu'on vaudouise, quel que soit mon ouye, nous connaissons la justice élève une nation. Quand la justice va mal, c'est tout le pays qui va mal. Donc nous avons besoin qu'on justice qui grand monde tête li, on justice qui connaît que la travaille dans toute indépendance pour le bail tout le monde réponse pour le capable mettre et comme t'as dit c'est à mettre et population en confiance là où on juge de la dans tribunal pour ne pas comprendre que ça qui a passé là faut qu'il senti li en confiance. Donc c'est une raison qui fait que n'a pas regardé pour nous ouais. Nous te dit force pouvoir judiciaire, l'ichita sous indépendance, ce n'est pas une indépendance en dedans, en papier, mais une indépendance réelle. L'ichita sous crédibilité juge, ça veut dire que façon la justice apprenne en dedans tribunal. Yo. Depuis Port-au-Prince-Rivé, par exemple, nos zones d'encours et Port-à-Piment.
C'est pour même justice qui est dans Port-au-Prince, sans l'arrivée de la population, l'arrivée de la paysan, tout. Non, même gens. Et puis, c'est pour gagner une justice qui permette que les gens commettent une infraction. La liberté, c'est la règle. La prison est l'exception. On ne peut pas avoir l'inverse. Donc, lorsqu'on a un pouvoir judiciaire qui ne peut pas fonctionner bien, eh bien, ces populations, ces justiciables-là, n'importe qui monde qui doit commettre une infraction, n'importe qui monde capable en contravention avec la loi, mais ce n'est pas le fait d'être en contravention, mais c'est surtout comment justice peut le rendre. C'est ça qui fait que, aujourd'hui, dans une série régime politique avec pouvoir, eh bien, nous chitons sur le pouvoir judiciaire. Nous avons des innovations que nous faisons. Nous avons un mandat juge. Nous avons des bagages nous renforcer de manière à ce que le juge lui-même qui accède à la fonction ça, pour ne pas avoir une instabilité, pour le mandat besoin renouveler, pour la demander tout député, sénateur, ministre, tout le monde, pour le demander faire renouvellement pour lui. Pendant ce temps, puisque le mandat peut renouveler, il y a une série de dossiers qu'il a traité, eh bien, justiciable lui-même, il fait commencer à couper dans la prison. Et je avocat lui-même tout, le traité dossier, toujours un délai qui n'est pas jamais respecté parce que justement le mandat du juge n'est pas renouvelé à temps. Maître Jean-Rodi Ali et Maître Abel Lucin bay opinion sur le changement qui potait dans le nouveau texte là par rapport au pouvoir judiciaire. Intervenant ça, yo parlé sous avantage qui gagne dans ensemble modifications qui fait dans le document. Ça, c'est tout dans ça qui gagne pour une nouvelle ordre qui a ajouté un nouveau texte là. On suit un extrait. Dans la nouvelle architecture, ça, on vient gagner un pouvoir à qui a deux ordres de juridiction. Un ordre judiciaire, qui est là-dedans, cour de cassation, cour d'appel, tribunal de première instance, tribunal de paix avec tribunaux spéciaux. Et puis un ordre judiciaire, un ordre administratif, qui gagne là-dedans, des tribunaux administratifs. Et puis on court des affaires administratives. Ça veut dire que ça va comme avantage. Je dis, hein, en fonction des litiges qui est posé, qui gagne, hein, on va prendre devant qui tribunal pour aller, qui tribunal qui a compétence pour ça. Si c'est des conflits d'ordre civil, pénal, au niveau des questions commerciales, on peut aller devant ordre judiciaire là. Si c'est des litiges qui gagnent avec l'État, avec collectivité territoriale, avec administration publique, administrer et administration, fonctionnaires et administration, c'est tribunaux administratifs et puis cours administratifs. Qu'est-ce que ça baille comme avantage par rapport à nouveau ordre, nouvel ordre qui gagne de me parler de ordre administratif là. Nous connaissons que un juge de droit payer la tendre un dossier. Mais là, il y a un ordre qui est bien défini, il y a une garantie pour les citoyens s'il pose des questions devant le juge. Si un juge trompe, il y a un juge qui est plus gros, qui est capable de réparer l'erreur éventuelle qui fait la donne. Déjà, dans l'ordre judiciaire, là, nous avons des gens charpentés par rapport à degré de juridiction. Là. Mais dans l'ordre administratif, là, je dis, il y a un principe de double degré de juridiction qui garantit aux citoyens s'il y a un problème. Que les papes victimes de justice là, même si en première instance, au premier niveau, il pas satisfait de ça, il y a une possibilité pour lui faire un recours. Je l'ai déjà dit, hein, après la Constitution, ça a été passé, et puis ils ont évoqué un texte, un traité ou une convention que Haïti ratifié dans un procès, par exemple. Si le juge là n'est pas tranché sous les lits écartés et instruments ça, ou qu'a gagné un recours pour aller vers la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est une prérogative, si je me rappelle, de la Cour constitutionnelle, ce qui consacre et garantit la justiciabilité des droits humains, tout instrument international. Et il y a l'autre ordre aussi que vous mettez, c'est dans le même ordre c'est un tribunal de conflit. Tribunal de conflit, hein, par exemple, ou gagner ordre administratif hein, qui réclamait dans le dossier. Ordre judiciaire là, réclamé dans le dossier. On y est, ou pas qu'on est-ce que qui est-ce qui a tranché entre Kassa qui est-ce qui peut trancher là-dedans. Est-ce que c'est ordre administratif hein, ou bien est-ce que c'est ordre judiciaire là. Donc ce tribunal de conflit, il est intervenu pour le dire, pour l'analyser et dire, mais qui est-ce
mais qui autre cap tranché. Donc ça c'est un si on fait droit comparer, ça c'est un aspect qui passait à l'époque et peut-être si c'est qui a toujours analysé pour permettre que pour résoudre instrument mers et instrument qui consacrer la loi Merlin les tranchées, les pas qui étaient pièces ambiguïté. Est-ce que par proposition nous pas venir nous pas analyser pour nous y ont autre coutumier qui ça s'attabane une juridiction coutumière qui ça s'attabane les ça par rapport à coutume que nous gagnons et nous gagnons et le droit civil les consacrer et les consacrer la coutume mais combien qui ça est-ce que une juridiction qui carte tranché les et est-elle venue lui dire bon de en poudre tel côté qui cause et pas oublier si ça n'a culture non le vol etc donc et ordre judiciaire ou bien ordre et de juridiction nous pas qu'à écarter les valeurs coutumières les valeurs culturelles que nous gagnons donc on pense que c'est ce qui prend qu'à prendre sinon pour analyser et bien fonder ça non du cas c'est un problème bien qui présent là depuis 10 ans non. Depuis que nous sommes en réalité, prend ça à cœur pour résoudre le problème. Ça. Mais on est, il ne faut pas débloquer à temps. C'est qu'il y a qui ont débloqué un petit fonds pour commencer le travail là. C'est ça qui explique la présence là dans notre part. Pour nous débuter à travailler pour nous résoudre le problème. Bon, c'est un business italien qui existe depuis plus de 50 ans. Qui n'a pas qu'à travailler encore. Bien que nous puissions les moyens pour réparer, mais on fait un travail pour nous faire une solution plus ou moins pour éviter des dégâts. On mettre un pile de monde à main en Bali pour nettoyer le passage, l'eau avancée. Mais jusqu'à présent, oui, à terre est débloqué. C'est à partir du travail nous pouvons le faire là, dans le carré ouvert, oui, à la circulation. Nous sommes capables de saluer avant de faire le travail qui est manuel carré. Nous avons passé. Chaque fois la vie tombée, Riel Ben, Boisvena, jusqu'à devant Palais, Kafouti, Foutu, dans sa route, ils vont demander la bouffe à faire. Là. Mais depuis que nous avons fini de résoudre l'année passée, le problème ça ne va pas présenter encore. Il y a un seul problème qui a été résolu, c'est ça qu'on a fait là. Reconstituer la loi et puis rembler le travail. Nous remercions vos patients parce que le problème n'a mis là longtemps, mais on connaît tout et à cause des moyens, nous avons travaillé. Cette fois-ci, nous l'avons de bon et nous passons très bientôt à bien nous voir sur la situation. C'est un comité qui a plusieurs organisations en dedans. Et que toute organisation qui a des notables. Organisation ça nous mettons ensemble, nous faisons un comité de réflexion. Et le comité de réflexion ça a pour objectif pour nous dans 5 prochaines années qui venir là, pour nous avoir l'autre village solidarité. L'autre village solidarité que nous avons besoin, c'est l'autre village qui, les gens qui entrent là-dedans, ils ne peuvent pas entrer avec et ils ne peuvent pas peur pour entrer dans le village solidarité. Parce que c'est une zone que nous voulons pour les représentatifs sur le plan commercial, culturel. Et pour nous avoir un espace qui est vivable. C'est pour ça que nous-mêmes en tant qu'organisation, mais nous-mêmes en tant que citoyens, nous ne sommes pas d'accord pour vivre sous question fatra avec de l'eau sale. Et ça fait nous-mêmes nous estimer l'important pour nous mettre pénon à terre, pour nous retirer fatra, pour nous retirer tout bagage sérieux qui va permettre que nous sommes capables de contaminer par les maladies. Nous connaissons typhoïde, malaria, ces amis fatra. Et que nous trouvons qu'il y a anormal. Pour 18 mai sur le passé là, nous fêtons 18 mai sur Fatra, on regarde l'état zone là, c'est comme ça nous fêtons 18 mai nous, mais nous descendons nous-mêmes, nous retirons Fatra, yo, parce que nous estimons que Fatra n'est pas en mis la santé. Moi je pense que c'est une très bonne initiative, surtout que c'est une opportunité que nous avons en tant que structure de femmes pour nous capables de joindre un paquet de bagages que nous n'avons pas déjà bénéficié dans la Constitution 87 ans. Par exemple, si nous regardons la situation du pays, il est toujours difficile pour mesdames de réussir dans l'élection. Parce que la violence qui vient dans l'élection ne permet pas nous-mêmes pour nous jamais vraiment
comme si gagner élection dans l'argent que y a fait là. Même parce que avec référendum nous avons chance pour nous demander pour ba nous un pourcentage de sièges réservés dans le parlement et dans tout l'autre côté qui cap gagner élection par exemple comme pas gagner Azek et Kazek encore dans document mais coordonnateur que yo météo si par exemple c'est comme section communale nous avons dit que bon si gagner 574 section communale nous besoin au moins 30% réservé pour femmes ces femmes seulement cap gagner élection ainsi de suite même pour et coordonnateur départemental qui vient remplacer sénateur yo nous pensons que c'est une chance liée pour nous même en tant que femmes pour nous batailler comme on acquis pour nous aider des femmes à des postes de décision ça nous même que nous remarquer c'est pas camper en face référendum non pour nous dire nous compte li mais c'est ouais côté nous capable de joindre avantage nous la donne. Nous pensons que le référendum en soi, c'est un bon bagage lié pour le pays, parce que déjà, c'est tout secteur, que vous contre, que vous pas contre, qui a demandé une nouvelle constitution. Et nous pensons que la nouvelle constitution qui vient, ce n'est pas le monde qui a fait le problème, non, mais c'est qui ça la donne. Et en tant que peuple, en tant que citoyen, ce n'est pas camper en face pour dire non, pas besoin, mais c'est veiller ça la donne. Ce n'est pas fait sous gouvernement, ça l'a fait sur le gouvernement quand même. Et c'est counier là, parce que le problème que qui toujours gagne dans le pays, les bon bagage qui a fait, c'est toujours le Parlement qui a un blocage pour bagage. Maintenant que nous n'avons pas un parlement pour le moment, c'est le peuple qui prend la décision, c'est le peuple qui a décidé, le peuple qui a le pouvoir, la capacité pour dire mais ça me voulait. Et pendant qu'il y a fait une période de consultation, nous-mêmes en tant qu'organisation de femmes, nous unissons ensemble pour nous dire mais ça que nous, qui n'est pas confortable pour nous dans le référendum non, et mais ça que nous avons besoin pour nous ajouter pour nous. Parce que la question siège réservé à son barrière qui est hyper important pour nous, et je pense que dans la dernière émission qui était faite, et sous question référendum, nous avons participé là-dedans, nous avons relevé des tas de points qui n'ont pas de rapport avec le gouvernement, qui n'ont pas de rapport avec une bonne gouvernance paysan. Et je pense que ça, si on prend en compte, si vraiment ça qui dit qu'il a fait dans le référendum, je pense que ça, c'est un bon bagage à pied pour le pays. Il est très bon pour le développement durable paysan, il est très bon pour l'avancement paysan. Et ça que tout nous pensons qui est important, ce n'est pas un problème de qui a fait le référendum, mais c'est qui. Structure qui ça nous va mettre en place pour ça qui dit dans la constitution que vous respectez. Parce que nous ne parlons jamais de problème de constitution vraiment dans le pays, mais nous avons des problèmes d'applicabilité des lois et des principes dans le pays. Nous essayons de sensibiliser mesdames à tous les points de vue. Une bagarre encore qui est intéressante dans le référendum pour mesdames, il y a des points qui mentionnent non seulement la question de parité, parce que le problème, l'avantage que vous gagnez, c'est depuis bagarre dans la constitution, ou même la bataille pour faire l'appliquer. Parce que leur, par exemple, c'est des lois internationales qui votent, que qui parlent de la constitution, leur arrivent dans le tribunal pour dire tel bagaille qui fait, ils ne pas lu le document international. Mais dans la constitution, il n'y a pas de juriste comme tout ça dans la constitution. Si leur paraît dans le tribunal une femme qui est victime de violence, je pense que c'est important pour expliquer aux gens, au moins dans tel article, parce que pour ces militants de droits humains, ils travaillent dans la question de femmes, ou obligés au moins une idée de quelques bagailles qui sont dans le document, surtout ça qui a un rapport avec le travail qu'on va faire. Nous-mêmes, dans le FEDOFED et le refuge des femmes, nous avons 100% des référendums, et nous espérons pour les gens ne pas faire dictature, parce qu'ils ont dit que si ne pas quitter le référendum, en fait, mais c'est quitter le référendum dans le passé. Oui, quitter yo faire vote là le 27 et puis garder qui moun qui pral voter selon gens que moun a sensibilisé. C'est pas camper pour dire faire violence sur monde parce que ça c'est carrément dictature lié. C'est quitter bay mesdames c'est parce que une nan bagay tout nous remarquer qui cause nous dit mesdames c'est impliquer dans espace de décision. Moun qui camper dans la rue là qui dit yo pral craser briser tous ces garçons yo. Combien femmes ont camper dans la rue qui dit que yo pral craser briser, y a tuer moun. Femme n'a pas pral prendre zam pour dire parce que le pas vlon bagay c'est violence la fait. Nous même nous connait un dialogue. Nous connait convaincre le monde les nouvelles en bagarre passée. Nous même nous demander tout pour tout le monde. Quand contre quoi pour, c'est essayer de comprendre, dialoguer pour nous jeunes comment nous arriver avec une solution. Mais c'est camper avec question de violence qui cause chaque jour petit peuple à mourir alors que eux même petit paio à bien vivre dans notre pays. Et matin, n'a remettre à Josh une plaque d'honneur et mérite. Pendant que n'a dit plaque ça, c'est pas seulement pour Josh. Mais l'is pour tout l'autre survivant qui t'a aidé une l'autre. Par exemple, gagné le directeur Lowol, Morival qui était dans le bateau à tout. Sibreka Toutou, t'a gagné plusieurs fois dans la mer. C'est grâce à lui, Toutou sauvé, il est arrivé à terre. Et gagné pile cas qu'on ça peut-être nous pas connaît. Il y a deux, trois autres monde qui étaient avec Joshua dit, c'est yo tout, yo t'a participé là-dedans. Plat ça, c'est pour yo tout. C'est pour tout le monde qui porte solidarité à chaque autre monde qui est bon côté, qui n'a pas de courage pour te avancer, pour te continuer, naviguer, nager sous l'eau pendant ce moment. Encore une fois, je remercie papa, petit garçon 3 ans qui est présent avec nous, qui est Moun Lagonave,
mais Tiviti n'a pas qu'à venir, mais papa à présent. Et n'a toutes les amis qui accompagnent Georges, qui sortent la Gonave, n'a salué le président, association marin et de la Gonave qui est avec nous tout matin. Et que nous habitués à travailler avec eux et qui te porté gros support. Nous disons merci et nous disons merci tout à partir de vous, à tout capitaine bateau marin qui te porté support et aider nous sauver la vie. Moun. C'est Mana qui a promis à Georges Casimir, Plaxa, m'appelez pour nous, honneur et mérite à Georges Casimir pour avoir contribué à la sauvegarde de vie lors du naufrage du navire de cabotage Étoile Brillante dans la nuit du 15 au 16 mai 2021. Port-au-Prince, le 21 mai 2021. Semana a remettre en courrier avec Georges Tou une médaille Semana pour au travail de solidarité, de soutien ça, de fraternité, de l'amour ça, que l'été offrit avec toutes les amis, camarades qui m'ont côté. Et encore une fois, n'a remettre et plaque d'honneur ça à Josh, qui a participé, médaille ça, qui a participé dans sauver la vie, chrétien vivant ça yo. Mais n'abdi tout, et en dernier lieu, ce n'est pas plaque d'honneur avec médaille là seulement que Georges a recevoir matin. Hein. Nous gagnons première dame là, qui était l'été apprendre que nous prenons honorer Georges, qui était relève spécialement, et quand elle était fait, chef de cabinet parle avec moi. Côté livrier aux contributions en espèces pour que Georges capable de soigner blessure liée. Parce que Georges, pendant le sauvetage là, pendant qu'il a sauvé le monde dans la mer, et bien il y a un code qui est passé dans le rennie, et bien le code ça avec ceinture était blessé. Et bien pour être capable de soigner tête li, et bien, première dame là, madame Martine Moïse, t'a envoyé une contribution spéciale pour Georges pour que il soit capable d'allouer médecin. Pour capable suivre et un traitement pendant période difficile côté pour capable soigner blessures ça. Bon, juste moi j'ai besoin d'un encadrement pour aider mon sauver vie. Moi t'as ramené pour terminer éthiquement pour m'aller dans l'université pendant l'université pour me donner mon cours pour me nager plus. Pour aider le peuple bonavien, Haïti en tout cas. Haïti, peuple haïtien, et sauver la vie. Moi, juste, je voulais pour l'État aider parce que je suis en danger. Juste, moi, je voulais pour l'État aider parce que je suis en danger. Et le fini, pièce moi perdu tout, moi te vle pour te ban yon autorisation pour me te capable aller faire yo vite. N'a profité voye yon beaucoup de chapeau pour toute femme conséquent qui te commencé lit droit femme nan et qui pas jamais bouqué ni découragé pour continuer bataille là. Chapeau bas pour nous mesdames. C'est pour toute femme conséquent yo qui d'accord faire politique actif dans le pays. Femmes dans le quartier populaire, femmes handicapées, femmes madame Sarah, femmes dans la factory, femmes en l'air, femmes paysans, femmes qui sont dans la diaspora, petits marchands, femmes qui sont dans la prison, femmes intellectuelles, limena, jeunesse là, étudiants et la prière. Femmes tout côté dans le pays, en mettant tête nous dehors. Pour poste nominatif yo ak poste électif yo comme ça faut femme yo d'accord pour yo porter au candidat tant pour poste président sénateur député kazek azek ak délégué renafeka abdi faut toute femme yo nous doit là oui nous doit là nous pas capable là renafeka a mandé femme tout côté
pour y aller dans l'élection. Venir pour nous faire un complot national avec RENAFECA, regroupement national des femmes candidates. Ensemble, nous avons gonflé pour nous grand pouvoir. Parce que fois ça, nous dit c'est nous-mêmes femmes qui sommes capables de gérer le pays. Nous-mêmes femmes, nous toujours mettons les nous dans le patron pour nous voir messieurs monter dans le poste électif. Mais yo pas jamais voté bon gens loi qui favorable pour secteur femme. C'est pour une raison ça qui fait journée jodi a nous dit faut que nous doit là nous pas capable. N'a dit messieurs yo pour yo venir accompagner femme candidat yo qui représentait maman nous, petite nous, madame nous, sœur nous, cousine nous et la trier. Parce que nous tous connaissons derrière chaque beau femme, il y a un beau garçon. Derrière chaque beau garçon, il y a une beau femme. RENAFECA a demandé toute femme conséquente en avant, pas faire battre dans la course politique là. Nous subissons un pile Zach Maspinay. Il faut que nous d'accord porter nos candidats pour tout poste électif. Il y a une façon pour nous arriver à gagner plus de femmes qui élisent. Dans la prochaine élection qui vient pour faire, pour nous permettre une solution aux problèmes de femmes dans le pays d'Haïti, pour nous capables d'améliorer. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous êtes branché. N'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babé à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.